Kids, que vous êtes chaud pour accueillir Jean Rock en live sur Kids 20, c'est parti. Mr. Worldwide, John Rock, Rick Warren, darling. Last time I shed a tear was when my father died, but now he's good up in the sky, so I'ma make the song cry. I see them haters living at me, trying to indict my soul, trying to read me, trying to see what I know, but no. Feel the night, I got no pain to share with you, alright. But we can share it by the leaves you like. Live in the moment, just enjoy your life. Enjoy your life. Celebrate in the name of love. Celebrate in the name of love. Cante no llores, el amor es lleno de dolores, mami. I want you to listen, don't hear me. I want you to respect me, don't fear me. This life is crazy, baby, and I want you near me, help me. Goa, Miami to Paris, life is short, let's cherish. I'm careless, make love to you and your girl on top of the terrace. I'm fearless, and since my father died, baby, I'm tearless. I see the future, but I live for the moment. Makes sense, don't it? Time is money, I don't know about you, but I own it, darling. Feel the vibe. Nothing can turn the head of such a life. Let's take it higher than the satellite. No wind can take away my inner light. Inner light. I celebrate in the name of love. I celebrate in the name of love. D'être venu sur le plateau, c'est ouais, ils sont chauds les kids là. Ça y est, ils veulent sortir en boîte et tout là. Il faut les inviter. Je crois qu'ils sont. En tout cas, ils ont la pêche pour le faire quoi. Bon, il y a un jeu ici qu'on adore dans Kids 1, c'est. Ils connaissent bien, ils sont chauds là. Ouais, tu connais bien évidemment. Bon, bien sûr que je connais, mais il va falloir m'aider hein, parce que des fois j'ai pas les réponses hein. Bah alors, t'es prêt? Comment je suis pas bien sûr, je suis pas. On commence, action ou vérité? On va commencer par la vérité. Alors, première question, tu es le patron de plusieurs discothèques très célèbres, alors dis-nous si les gens te reconnaissent quand tu passes tes titres. Dans mes clubs, pas vraiment. Tu sais, c'est comme ils sont basés dans des stations balnéaires ou des lieux de tourisme, les gens viennent en vacances et forcément, il y a beaucoup d'étrangers. Donc il y en a qui savent même pas que je fais de la musique, il y en a qui savent même pas que je fais des clubs. Il y en a qui croient que je suis là, que je donne un coup de main et ben j'essaie de leur faire croire, quoi. Voilà. D'accord. Bon, allez, on enchaîne avec action ou vérité. Alors, on va passer à l'action. Alors, je crois que tu es plutôt doué pour le foot. Alors, écoute, je te donne 15 secondes, pas plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour faire un maximum de jongle avec ce petit ballon. Waouh. Non, mais c'est un ballon de compète. C'est l'équipe de France qui l'a eu, ça. Je vais être bien avec... Voilà, ils ont kiffé mes chaussures, donc ils ont kiffé mes... Je kiffe aussi, je te rassure. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Bravo, bravo, parce que
C'est... Moi, j'aurais pas été capable de, d'en faire une seule, tu vois. C'est pas simple, hein, sur un podium. Pas... C'est simple, parce qu'il est tout petit. Bon, allez, on continue. Action vérité. Alors, on va peut-être passer revenir à la vérité. Ok, alors, est-ce que tu rêves d'une grande carrière de chanteur? Oui. Bien sûr, quand tu fais ce métier, quand tu as la chance de rencontrer du public, d'aller sur scène et d'avoir du plaisir, et que tu partages un projet et de la musique avec les gens et des émotions, des choses qui te sont arrivées, évidemment, tu as vraiment envie que ça dure et que ça continue. Et voilà. Alors, dernière question, action ou vérité? Alors, on va repartir en action. D'accord, ok. Alors, on va voir si tu es aussi fort en dessin qu'en chanson et qu'en club. C'est-à-dire? Ouais. Alors, je te donne 15 secondes, c'est pareil. Et tu vas me faire ton portrait. Mais genre, un truc à la Picasso, quoi. On veut pas... Oui. Je te confirme. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Déjà une... pas mal. C'est vrai parce qu'il y a toujours le sourire. Super, nickel. Jean-Roch, ton interview continue dans quelques instants, mais nous les kids, on va aller voir le classement du numéro 13 au numéro 6. Jessie J est bien décidé à dominer le 8 et c'est bien parti puisque Domino gagne 4 places d'un coup cette semaine. Bien joué Jessie. Vous ne faites pas de cadeaux au logo budget Télé Kids. Gâtez le coin, perd 2 places. Tous les gens sont gâtés, apparemment. Allez, gâtez le coin. Madonna adore jouer au football américain, mais cette semaine, elle perd le match et s'incline en deuxième division du Heat. Moins de places. Cette chanson de Section d'Assaut vous séduit toujours autant les kids. Avant qu'elle parte, grimpe de 3 places dans Kids 20 cette semaine. Pitbull continue de croquer le classement à pleines dents. International Love est 9e cette semaine. Une place en moins pour Shaim avec son titre en apesanteur. Avec 7 places en plus, les LMFAO réalisent la meilleure progression de la semaine. Pour l'occasion, ils organisent une méga party. Vous y allez ou pas? Kinvé poursuit son ascension dans le 8. Les mots gagnent 2 positions et se classent à la 6e place. Bien joué. Posez des questions à nos invités en vous connectant sur teletoonplus.fr. À côté de moi, j'ai un tas de questions. Il faut que tu en tires une au sort. Donc, elles nous viennent d'Internet. Alors, une question d'Armand, 10 ans. Merci Armand pour la question. Si tu n'avais pas travaillé dans le milieu de la nuit et de la musique, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, il y a 2 trucs qui m'auraient attiré, c'est le sport professionnel ou travailler dans le milieu de l'équitation près des chevaux. Voilà, ça c'était mon truc. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Alors, deuxième tas de questions. J'espère que c'est la bonne. Voilà. Question de Lohan, 12 ans. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Eh bien, ma réponse était dans la question d'avant. Ce serait un cheval. Voilà. D'accord, voilà. Ok. Pourquoi? C'est beau un cheval, non? Ouais. Vous aimez les chevaux? Oui. On a une dernière question qui nous vient d'un kid qui est sur le plateau. Avance-toi, tu t'appelles comment? Emma. Elle est jolie, Emma. Quel conseil tu me donnerais si je voudrais devenir chanteuse? Si tu voulais devenir chanteuse, d'abord de le faire à fond, de le faire passionnément parce que c'est ton truc, parce que tu y crois, et surtout de ne jamais, jamais, jamais écouter tous ceux qui te disent que tu ne peux pas être chanteuse. Voilà. Il a tout dit.
Merci énormément, ça a été vraiment merci à vous. Plaisir de te recevoir. Mais moi j'ai eu du plaisir tu aussi. Tu reviens quand tu veux. Merci de d'avoir chanté ici. Ton dernier titre, Name of Love, qui absolument. Cartonne en ce moment. Oui. Vous pouvez l'acheter sur internet, il est en vente absolument. Actuellement. Sur tous les sites d'internet. Donc allez-y, foncez parce qu'il est énorme. Donc merci encore. Et dis-moi ouais, ouais non parce que vous avez tous posé vos questions, mais moi dès que j'aurai 18 ans je pourrai faire un tour dans tes discothèques. J'espère quoi. Bien que tu viendras. Ah merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Et donc nous les kids, on va lancer le classement du numéro 5 au numéro